Cette dénomination de cité musicale, c'est une façon de regrouper toutes nos activités entre le festival en juillet, le jeune orchestre de l'abbaye aux Dames, un vaste programme d'éducation artistique, la saison de concerts. Les deux idées très fortes, c'est que d'une part, un site peut vivre au travers d'un projet artistique et culturel et que ce projet artistique et culturel contribue au rayonnement du site, c'est-à-dire qu'il y a un enrichissement musique-site, site-musique. Le lieu est idéal pour travailler puisque il y a tout sur place, si j'ose dire. Nous résidons dans l'abbaye et toutes les conditions sont réunies pour travailler en petit effectif. Et nous avons aussi un auditorium et donc l'abbatiale qui est juste à côté de ce lieu de répétition. Et on a aussi un cadre idéal pour se reposer, profiter de la Charente. Enfin, c'est un lieu magnifique, vraiment. L'abbaye aux Dames, c'est une cour, c'est effectivement clos. Ce qui fait que quand on est vraiment en dehors de la ville de Saintes, on est dans Saintes, mais on est un peu à l'abri. Pour moi, c'est une cité musicale depuis longtemps. On va continuer d'y faire de la musique. Et en ce qui nous concerne, évidemment, on continue toujours à faire de la formation au niveau des jeunes musiciens pour se perfectionner à la pratique de la musique romantique sur instrument d'époque. On se spécialise vraiment dans un répertoire précis, c'est-à-dire celui du répertoire classique et la période romantique sur instrument d'époque, donc c'est-à-dire qu'on utilise pour les cordes surtout l'utilisation de cordes en boyau et l'utilisation d'archets classiques ou romantiques. Souvent, le public du festival ne sait pas forcément que, par exemple, le jeune orchestre de l'abbaye est mis en œuvre par la même équipe que l'équipe du festival. Nous venons de partout, nous ne sommes pas français majoritairement, il y a des Espagnols, des Italiens, des Allemands, enfin voilà, le mélange est très intéressant. C'est une tentative de rendre les choses vivantes dans un seul et même ensemble et de ne pas toujours en parler de manière dissociée en parlant de la saison de concert sans parler du festival ou inversement parler du festival sans avoir conscience qu'il y a toute une activité d'éducation artistique qui se déroule tout au long de l'année en direction de tous les publics de la région. Le festival se porte bien, il a presque 45 ans et même si les éditions changent, le cœur du festival reste le même, surtout lié à ce lieu imparable qui maintenant résonne de musique. Pour moi, vraiment, le Saintes, c'est la cité musicale par excellence. On a toutes sortes d'envies, il faut d'abord se donner les moyens de mettre en œuvre ses envies, ses projets, ses ambitions artistiques et ensuite espérer que l'abbaye aux Dames reste encore très longtemps la cité musicale.